Les navires perdus. J'espère que c'est des bateaux fantômes. J'aime trop ce genre de conneries. Oula. Fais attention dans le coin, petit dragon. Il y a plus de fantômes dans ce chantier naval que je ne peux en compter. Et c'est bien dommage, parce que j'étais à ça de trouver mon trésor. Aide le dingue. Aide le déglingo. Par contre, c'est dommage de pas trouver le stage où on est censé libérer le Yeti. Oh. Moi, je pense que c'est dans le hub de... Donc le troisième hub qu'on vient de débloquer. Le problème, c'est que le hub est sous la flotte. J'ai du mal à imaginer Yeti sous la flotte, quoi. À moins qu'on puisse monter quelque part. Ouais, un petit peu bizarre. Oh là là. Waouh. Waouh. Waouh, l'enchaînement. Oh, je me fais bousiller. Je pense que mon trésor est par là. Mais on va devoir traverser ce rafio pour le trouver. C'est noté Ed. Tirez ici. Doudoudoudoudou. Un jour on aura Jazz Jack Rabbit et Citizen Kabuto en stream. Ah oui, bah ça... En tout cas, Giant, j'ai très envie de le faire en stream. Ça, c'est... Évidemment. Le jeu le plus sous-coté de tous les temps, on le rappelle. Le jeu le plus sous-coté de l'histoire pour moi. Affligeant... Le manque de popularité de ce jeu par rapport à sa qualité. Affligeant, je vous le dis. J'avais fait moi un Jak and Daxter, j'ai fait très rapidement un épisode dont j'ai oublié le nom, je sais plus c'était lequel. J'aimerais bien le faire en stream, ouais. Tant qu'on en est à faire les séries de la PlayStation, qu'on a fait Crash, on a fait Spyro. Faudrait qu'on fasse... On avait fait un Ratchet & Clank aussi. On n'a jamais fait de Jak and Daxter. Il faudrait... À quand le texte sur Dark Souls 4? Ah, si seulement! Si seulement! C'est vrai que je vois beaucoup de gens dire que ce serait une erreur de faire un Dark Souls 4, mais je ne pense pas que ce serait une erreur. Je trouve que le 3 se termine très bien. Ça termine bien la trilogie. Mais je pense que cet univers a encore beaucoup de choses à raconter. Donc pourquoi pas faire une sorte de Dark Souls 2, tu vois, un Dark Souls 4 ailleurs, dans une autre région, ou genre après quel? Pas un truc qui se passe forcément après le 3, mais... Je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à raconter. Après, s'ils font d'autres jeux dans d'autres univers comme Elden Ring, moi je suis preneur, hein, je m'en fous. Tant qu'ils continuent à faire des Souls-like, c'est pas un problème. C'est vrai que pour moi, ce serait pas une erreur de faire un Dark Souls 4. C'est pas nécessaire, hein. Je le demande pas, mais je t'avoue que s'ils l'annoncent un jour, je crie. Je crie de joie comme jamais. D'accord, ouais. Alors le problème, ouais, le problème, c'est qu'il y a les oiseaux. Ouais, j'ai failli les oublier. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que j'en ai oublié avant. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, Jamy.
Non, les God of War non plus. Pas fait. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est une compilation de la première trilogie. Je sais que le 3 est sur PS4. Et ce qu'il me faudrait, c'est les jeux sur PS4 ou PS5. Après, à tous les coups, ils doivent être sur le store. Regarde ça ! Quelqu'un a planqué un œuf dans mon trésor. Craig ! Craig, il est un peu endormi. Hein. T'es un peu à l'ouest, hein. Mais si, je suis très net. Ah, je peux résister sous la flotte, ça y est. Alors attends, y'a quoi au-dessus déjà? Bon, c'était effectivement des bateaux avec des fantômes, mais bon, c'était pas non plus... hein. C'était pas fou. Oh putain, on a qu'un seul œuf! Eh ben putain, mon cochon. Ok, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. On enchaîne. Hein. American Sniper! Oh, le aimbot! Vous avez vu, hein, il est là. Hein. En fait, je le teste un petit peu avant de passer sur Overwatch et Valorant. Je sais pas si je l'ai eu là, je pense pas. Hein. Non, je l'ai pas eu. Est-ce que je peux l'avoir même? Non, je suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ah, nice. J'ai entendu Valo et la douche s'est activée. Non, désactivée, vous voulez dire. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un monde où Riot n'avait qu'un seul jeu à son actif. Maintenant, je crois qu'ils ont dépassé la dizaine. Hein. Avec Song of Nunu, Legends of Runeterra et tout le bordel. Le jeu avec Viego aussi, celui avec Silas. Puis celui avec Echo aussi qu'on a fait en live. C'est fou. Et le MMO, bien sûr. Bientôt, bientôt, n'est-ce pas? Bientôt. Encore du skate! Un gang de skaters Rinoc nous défie à la course. Ils disent que tu es encore plus lent qu'une limace de feu. Mais je t'ai défendu. J'ai dit que j'avais déjà vu des limaces super rapides. Alors, tu es prêt à les affronter? Ouais, moi on m'appelle pas limace de feu comme ça, moi. Ça marche pas. Super! Tu peux utiliser ma planche spéciale de course. À chaque fi... Ok, turbo avec carré, je retiens. Let's go. Oh, une course, trop bien! Incroyable. Waouh. Bah mon pote, comment te dire, chasseur, à mon avis on est baisé. Oh la vite, mais regarde la vitesse. Regarde la rédemption. Eh.
C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, si ça avait été le dernier tour. Oh non. No. C'est pas fini. C'est jamais fini. Incroyable. Super, tu leur as donné une bonne leçon à ce ramassis de Gnork. Oh, et du coup, on a gagné cet œuf aussi. Olivier. Olivier, la sono. Maintenant que les Rhinox sont partis. C'est insupportable. Le mec sur chaque prénom, il a une ref. Tu es rapide, mais tu pourras pas vaincre tous les crabes du circuit et me battre à la course. Tu veux essayer? Pff, tellement facile. OK. Tu vas manger ma poussière. Tellement aise. Ah par contre c'est chaud. Je dois détruire les crabes et arriver premier. Ok. Non, Aise, t'inquiète. Ok. Voilà. Toi, je t'ai vu tout à l'heure. Ok. La maîtrise. Oh, la maîtrise du gameplay. Oh, la maîtrise du... Mais... Non. Oh, le petit con. Ah, le chien, il est esquivé. Je sais pas où est l'autre connard aussi, mais m'inquiète un petit peu là. Oh non. Oh non, Jamy. C'est pas fini, Jamy. Allez, c'est de fond là. Oh là 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 là. Bah t'as bugué, t'étais bloqué dans un mur ou quoi, je t'ai pas vu. En pensant que tu ne faisais que chercher les œufs. Ah, d'ailleurs, un des crabes avait celui-là avec lui. C'est moi le rival, il est en mode troisième âge. Non mais sincèrement, je l'ai vu qu'au début, je l'ai pas revu. Ouais, j'ai fait tous les Uncharted, ouais. Enfin, non, j'ai pas fait Golden Abyss. J'ai pas fait celui sur PS Vita, mais j'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4 et j'ai fait le standalone avec Laura? Merde, j'ai oublié son nom. Caroline? Merde. Chloé? Chloé Fraser? Non? Putain, je sais plus. Ah, c'est vexant pour elle, là. J'ai oublié son nom. Linda. Non, je crois que c'est Chloé Fraser. Allez, c'est parti, les gars. On y va. Let's go.
Ah, il y en avait un là, à droite. Ils sont partout. C'est insupportable. Si je m'arrête. Non, je peux pas mourir. Pour être à pied, ce serait plus simple. C'est mal. Ok, super. Je pense que j'ai eu tous les diamants là. À gauche. C'est bon, tu l'as eu. Bien joué, mon Spyro, bien joué. Je crois que c'est bon, non? Je vais faire un tour pour être sûr. Je crois que j'ai... Ce que j'allais dire, ouais. Je crois que j'ai vu des vases avant l'arrivée, sur la gauche. Putain, mais la rapidité du mec! Les petits pots. Ok. Ah oui, ils sont là, ouais. C'est ce qu'il me semblait. Stop. Alors, Sparks a l'air de nous montrer la sortie. Il y en a plus, je pense. Je pense qu'il y en a plus. Alors, il nous reste ceux qui sont sous la flotte. Hein. Mais c'est immonde! Oula, tu m'as fait un peu peur là. Je connais déjà la blague, mais sans déconner, à devoir le prochain. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit demain et t'a demandé à quand le prochain texte, c'est ça? Il a bien répondu. Car c'est demain, les gars. Le test en carton sur The Witcher 3. Pas du tout. Et je vais crever, moi. Je vais crever. Oh, Jamy. Chad, ah ouais, ah, ça rigole pas là. Chad. Ok, encore deux œufs, super. Ah ouais, il y a 600 joyaux. Ah ouais, 600 joyaux par contre. Je vois pas trop ce que j'ai loupé là pour le coup. Ça m'aurait pas étonné, mais 600. Ouais, il y en a encore là-dessous. Non, j'utilise pas la carte. Non, par habitude. J'avais oublié qu'il y avait la carte. On voit rien.
Oh non, il y en a encore. Faudrait que tu reviennes dans le premier hub et le deuxième hub, ça devrait être utile pour la suite. C'est expliqué nulle part. Ok. Bon bah, j'y penserai. Ça ne serait pas lié au Yeti par hasard. Parce que ce putain de Yeti, j'ai toujours pas trouvé où il est. Hein. Je ne sais pas comment le libérer, ce petit coquin. Non, ça on l'a déjà fait. Ouais non, à mon avis, y'a plus rien là. Tu me dis qu'il y a un truc là-bas. Ok. Un joueur d'aura qui oublie la carte. Allons, monsieur Seven de Grâce, pas à nous. Vous m'avez percé à jour. Non, mais c'est vrai que la carte, on s'en est pas servi dans le 1 ou le 2. Que je sais pas. J'ai pris l'habitude. Après, nul doute que c'est très utile, hein, pour le coup. Ça, j'en doute pas. Ouais, ça me semble bizarre quand même, hein. Qu'il nous manque autant de joyaux, ça me semble bizarre. Bizarre, bizarre. Je pense qu'il y a une porte vers une autre dimension qu'on a ratée. Ok, déjà il y aura ça à récupérer. Nice. Cette musique me fait coller. Elle me fait serrer. Je sais plus si on a été par là, il me semble. Hein. On était par là, ouais. C'est un bordel. Bon, j'ai déjà allé récupérer les joyaux. Là-bas. Là-bas aussi, il y a un truc, je vois. Oh, mais attendez, hé. Ça se dégoupille, dis donc. On va voir plusieurs endroits, là. Incroyable cette musique. Merci pour le deuxième mois, HK. Merci à toi, Savon. Merci pour les bonnes poilades. Des bisous. Bah, merci à toi. Cela me procure bien du plaisir. On aime l'argent. On aime l'argent. Et on est perdu. La proue du bateau qui clutch. Oh, le clutch! C'est vrai qu'il y a ces... Il y a encore ce squelette à la con. Alors effectivement, j'ai vu là-bas. Là-bas, je vois qu'il y a un diamant violet. Et là-bas aussi, il y a une entrée. Allez, ça y va, là. Bien joué! Et voilà la porte qui nous manquait. De plongée préférée, mais je ne peux plus rien y trouver avec tout. Non, mais tu t'es pas barré dans le hub central, toi? Tu crois que tu saurais piloter ce sous-marin que j'ai acheté? Ok, super. Appuie sur sauter pour accélérer. Et quand tu as un sous-marin dans ta mire, la torpille. On connaît. On sort du tornado de Sonic Adventure 1, t'inquiète pas, on connaît.
Putain, mais quand même, il y a vraiment pas mal de trucs, hein. Feu à volonté! Ah mais je peux pas les avoir, faudra que je sorte après. Bien joué. Tiens bah je l'avais raté lui. Je l'avais pas vu. Ce coquin de coquère. Appuie sur le bouton 2. Pourquoi tu le vises pas? Oh, il est trop rapide pour moi. Oh, le bâtard. Oh non, j'y étais presque. Allez, encore un. La Spyro, il sait tout faire hein, dans celui-ci. Hein. Il sait patiner, il sait jouer au hockey. Il conduit des sous-marins. Pilote de sous-marin. Merci. Bon, désolé de te demander encore ton aide, mais il y a encore plein de sous-marins qui sortent. Incroyable. Je m'en occupe. Il sait pas faire le café par contre, non. Il sait pas voler. Il sait planer, mais il sait pas voler ce con. Hormis dans les temps de chargement, bien sûr. On le rappelle. Je vous massacre. C'est la guerre, mon colonel. Oh, il y en a plein là. Pas besoin de viser. Sérieux? Comment ça, je l'ai perdu de vue? Quoi? Désolé de te demander. Il s'est passé quoi? J'ai pris une mine? Ah, ils peuvent lâcher des mines maintenant? Ah ouais. On est sur PS5, ouais, et on joue avec la version PS4. Une mine! Bon, ça va être casse-couille, hein, s'il lâche des mines. J'étais à deux doigts. Va sortir. Voilà. La stratégie. Je vais plus dans le tunnel, moi. C'est pour me prendre une mine. Une mine. Allez, plus qu'un. Super. J'aimerais pouvoir mieux te récompenser, mais tout ce qu'il me reste, c'est cette œuvre. Dolores. Attention au raccourci, Dolores. Bah écoutez, c'est parti. Je pense que ce qui nous manque, c'est dans cette zone. Tous les diamants, tout cet argent, ce placement de produits. C'est beau.
Ah, sympa les couleurs de Spyro là avec cette transformation. Bon, je pense que maintenant. Voilà, il faut aller en haut. Par contre, je crois qu'il n'y a pas d'autres points de transformation. Donc ça va être compliqué. Je vais mourir, Jackson. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai le temps? Elle est là. C'est chaud, hein? Putain, il m'en manque 4. Ah. Il m'en manque 4 et elles sont là-dessous. Falloir aller vite. Tout cet argent pour gros sous. Ouais. C'est le point négatif. Tout cet argent pour l'URSSAF. Ah. J'ai mal. C'est bon, je suis mort, mais je l'ai eu. J'ai gagné. Ah, les décors qui sont vides, après pour leur excuse, c'est les remakes de jeux PS1. Puis là, on n'est pas sur le monde le plus beau. Hein. Merci pour les GG. Allez, on a le temps pour un petit stage en plus, je pense. Par contre, impossible de mettre la main sur le Yeti. Je ne sais pas où il est. Où est-ce qu'il est ce con? Je pense qu'il est quelque part dans ce hub. Salut Spyro! Ce bonus peut te rendre invincible temporairement. Utilise-le pour passer ses... Ça marche. On l'a fait au monde d'avant, t'inquiète. Merci à toi. Oh mais la musique est folle! Swart! Ah, petite casquette et tout! Le Yeti! Un autre œuf, parfait. Ted. Avec ses petites lunettes. Et c'est déjà avec des accessoires. Ouais. Eh ben dis donc, c'est moi là-bas, il y a un truc. Il y a l'air d'avoir une entrée. Bizarre.
pense qu'il y a un truc là-bas. Hein. Encore la mission avec Sparks. Bon, à mon avis, il faudra finir le jeu une fois. On ne pourra faire ça. Anna. Waouh, l'agilité de la moufette du Québec, c'est fou. Salut Snost. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue Jennifer. Ok, est-ce qu'on a le temps de faire un petit monde en plus avant de partir? Bah, je me suis trompé, hein. Écoutez, je pense pas que le Yeti soit dans ce hub. Je suis fort désappointé. Mon désappointement est total. Oh là, oh là, oh là! Je t'ai pas demandé de me bouffer! Oh la baleine qui a un caleçon! Allô? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, personne n'a jamais eu de bug sur Spyro et il fallait que ce con joue au jeu pour avoir deux bugs en un stream. What? Une petite tortue. Ah non, c'est une grenouille. Petite grenouille. Ah! Attention! Ok, bon, c'est pas le Yeti. Mais c'est un œuf, pas dégueu. Stoubi! Doobidoobidoo. Where are you? Ah. Ah, donc là on a deux levels. Crête enchantée ou le circuit? On va faire le circuit, c'est un peu plus court. Comme ça on finit tranquillou. Le circuit des ruches. Oh non, ta gueule. Ah mais les musiques vraiment de ce Spyro 3 sont vraiment stylées, hein. Je pense que je vais préférer le 2, mais écoute... les musiques par contre c'est vraiment les meilleures de la trilogie. Hein. Je voudrais avouer, j'ai vu Bob Razowski, le monstre et compagnie, voler là. Oh non, putain. Ah, y'a Bob Razowski, hein. Ah, c'est ça tes abeilles? Oh putain, la gueule! Et la musique est folle! Incroyable! Ok, super! Où est-ce que t'es le dernier là? Il est là. Par contre, je vois pas ce que je dois faire d'autre. Ah, d'accord. Malheureusement, je sais pas si je vais avoir le temps en 20 secondes. Oh, si, c'est large. Sauve-moi. Sauve-moi, chasseur, je vais crever. Attention, Spyro. Il y a un très mi-mouton par ici. Autant changer de mission. J'ai sauvé un œuf de dragon qu'il tentait de voler, et maintenant, il veut se venger.
Attends ici, je vais attirer l'ovni plus en avant. Oui, la musique originale doit être stylée aussi. Après, c'est cool qu'on puisse avoir la possibilité de... Ok, c'est parti. De mettre les anciennes musiques. Je pense que tous les remakes d'anciens jeux devraient faire ça d'ailleurs. Ah mais je joue là. Ah merde. Oh là là, oh la vache. La maniabilité. Ah c'est pas au point ça hein. Ah bah casse-toi chasseur. Attention Spiro, il y a un très gros ovni mouton par ici et il essaye de m'attraper. J'ai sauvé... Attends ici, je vais... Ok. Ah et forcément dès le début je me suis fait casser la gueule par tous les objets. Tu m'étonnes. Ouah, tout ce miel quand même. C'est incroyable. Je vais mourir. Je me suis pris un rocher, c'est pas grave. C'est pas perdu. Orage de mon dérapage. What? Il y a un truc qui m'a fait sauter. Ouah, la transition. Ah ta gueule. T'es pas un guépard toi, t'es un petit chaton. Bonsoir, elle est bizarre cette pub Miel Pops. On a même la mascotte qui chante hein. Si vous vous rappelez bien, ça faisait pendant la... On a la même chose. C'est aussi insupportable. Miel Pops, c'est bzz bzz bzz, bzz bzz bzz. Le remix par Saven, bientôt chez votre marchand de journaux. D'accord, il m'en manque un. Je crois que je le vois. Ok, bien joué. Oh non, Spiro. Oh non, pas comme ça. Pas après tout ça, Spiro. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, Spiro. Pas le miel. Bon, je retiens. Les dragons, ça n'aime pas le miel. Toujours dangereux ça. Tous ces ours là qui consomment ce miel. Alors il me reste les abeilles qui ressemblent à Bob Ratowski là. Finalement, on aura eu ce genre de mission là, circuit dans les 3 Spiro. Je pensais pas qu'il serait dans les 3. Après, c'est pas des mauvais stages, hein. C'est pas dérangeant. Ok, allez. Chris! La course des bourdons. Tes adversaires sont un gang de bourdons géants cette fois. Suis les points rouges pour te guider le long de la course. Ouais, y a un gang de bourdons quoi, ça rigole plus. Ok, ça on nous connaît maintenant. On sait qu'on est les meilleurs là-dessus, ça ira.
Allez, ça crève. Laisse-moi passer là, laisse-moi passer. Ton gros cul là. J'allais partir sur celui d'à côté de moi. Ah, d'accord. Oh non, pas maintenant. Bouge de là, là. Tout le monde est contre moi, même la manette. Connais troisième, ça va. Alors qu'en vrai, la petite carapace bleue, ça mettrait bien, ça. Hein. Ah, ça mettrait bien, j'avoue. Ça va, je gère, vous inquiétez pas. C'est le first try. Hein. Là, clairement. Ce sont le first try. Là, je reconnais ça. Je reconnais l'odeur, là. Al first try, ça sent une petite odeur de cyprine mélangée à du caramel au beurre salé. On reconnaît ça. Oh le bâtard! Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, il a trop bien joué là, la petite abeille bleue. Incroyable. On a mieux joué que lui. Nous sommes premiers. C'est bon. Tiens, toi, gratos. Il m'a rien demandé, mais. C'est gratuit. Gratuit. Alors, je sais pas dans qui j'ai tiré, mais j'ai tiré. Allez, ça dégage. Henri ! Mais encore lui ? On t'a déjà vu, Henri ! On a même déjà fait la blague de Capot et tout le bordel. Je me tire. À faire d'autres dragons. Le niveau est fini à 100%. Il est fini à 100%. Ok. Eh bien écoutez, je vais stop là. En off, j'essaierai de faire ce que j'ai raté tout à l'heure. Là, du coup, le trésor à détruire avec la supercharge. Et puis je ferai que ça, hein. Pour le reste je vous attendrai, on cherchera le Yeti ensemble, n'est-ce pas? Et puis bah, c'est demain hein, le prochain live du coup. Donc je vous dis à demain, à 15h30, merci d'avoir été présent, c'était cool. Je sais pas si demain on arrivera à finir le 100%, on est à combien là? 52? Ah ouais, on a vraiment pas avancé. Hein. Oh putain, on a pas du tout avancé. Bon allez, à demain, bonne soirée, bon appétit, et merci d'avoir été présent encore une fois. Ah, alors ça fait du bien ça.